Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière avec l'OGC Nice et nous allons jouer le match important, un derby contre Monaco. Alors, c'est bien ce qui nous embête, donc on va reprendre l'équipe B pour jouer notre match contre Monaco. Juste, nous avons l'engagement, c'est parti avec Seri. Il trouve, je sais plus d'ailleurs, pardon, Cosiello. Souquet. Tout bien. Seri, ça passe. Pléa. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alassane Pléa. Par son physique, parce que je pense qu'il est quand même relativement physique, peut-être pas autant que Ballot, mais la série qui trouve Léa, qui réussit à faire un bon contre, surtout un superbe crochet pour changer complètement de côté, et ça fait but, 1-0 à la Sainte Pléa, qui je crois marque son deuxième but, voilà, en Ligue 1, à la 14e, 1-0 contre Monaco. Toujours 1-0, attention à cette action. Oh, joli. Joli, ça fait mal. Attention, là, il faut y aller. Et non, on le laisse complètement jouer. L'absence totale, c'est Falcao. C'est Radamel Falcao, le Colombien, qui marque. On le laisse complètement jouer, là. On le laisse complètement faire, là. Souquet, c'est complètement troué. Il n'a rien pu faire. Il a été trop, trop lent. Et on ne paye cash. Un partout. C'était un but qui est tout à fait évitable si on défend un peu mieux. On a manqué de rapidité là, dans cette histoire. Cosiello. Belanda, vas-y Belanda. Ah, c'était un peu long. Un peu long à faire. Mais au moins, il y a eu l'idée. Base, complètement à côté. Ceci dit, c'est un corner. J'avais pas forcément bien réalisé. Seri, c'est pas le joueur le plus grand de l'équipe. Cyprien, peut-être. Pléa. Ah, pas moyen de engager cette frappe. Attention au contre. Oh non, putain. Et oh, qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, balle. On regarde le... On regarde les mecs jouer. Hein. Il y a faute. Un coup franc très bien placé pour les Monégas qui tire rapidement. On n'a rien vu venir. On n'a pas été vigilant. Heureusement, à part peut-être Cardinal. Allez, Cyprien. Oh non, c'est pas mal ça pour Belanda. Oui, Younes Belanda. Il peut être fier, superbe frappe, superbe ballon donné à Belanda dans la profondeur. Et il a réussi à décocher une frappe qui n'était pas évidente. C'est Alassane Pléa, Cosiello, puis Belanda. Il est décalé assez loin, mais il réussit à trouver cette lucarne. En faisant un petit effet. Magnifique, magnifique Belanda. Je crois que c'est son deuxième but également. Il confirme sa grande forme. Il confirme... le fait que l'OGC Nice a eu raison de le recruter, tout comme Mario Balotelli qui n'est pas là, je vous le rappelle, puisqu'il est blessé. Attention. Alors là maintenant, on essaye d'assurer avec Essérik. Essérik. Allez, Essérik. Il peut se retourner, il va tirer, mais c'est contré et ça finit dans les bras du gardien Subasic. Mal joué et c'est la fin du match. J'ai pas vu le temps passer. Et ben c'est génial parce que ça fait 2-1, ça fait 3 points et on s'en sort
comment vous dire, on s'en sort très bien, voilà, tout simplement. Monaco doit s'en vouloir, ça c'est certain. Donc but d'Alassane Plea et de Younes Belhanda. On a Cosiello et Belhanda qui ont des bonnes notes, Plea. Série a quand même 7,9. Non, l'équipe a bien joué. Par contre, les stats, c'est pas trop ça. En termes de tir, on a eu que 4 tirs mais 3 cadrés. On marque quand même 2 buts. Et bah, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Donc, on va jouer Nancy au prochain match. Alors, avant d'entamer ce match contre Nancy. Un petit détour par là, donc pour l'instant Balotelli a 3 buts, les Parisiens se baladent un peu, mais nous sommes premiers avec 16 points, 3 points d'avance sur Lyon, mais Paris compte un match de retard, 5 victoires, 10 buts pour, alors on est vraiment pas mal, on a des bonnes stats. Alors la question qui peut se poser, est-ce trop facile en champion? Je vous rappelle, je suis en mode champion. Donc c'est le mode le plus dur avant le dernier mode légende, hein. Est-ce que c'est trop facile? J'ai pas le sentiment d'avoir des matchs faciles, franchement, depuis le début. Vous me direz si je me trompe, mais je crois pas. Je vous rappelle qu'au tournoi de pré-saison, j'ai pas été qualifié dans les phases finales. J'ai eu des victoires, certes, au début. Premier match d'ouverture, je me souviens, c'était quand même compliqué. Donc j'ai l'impression d'avoir plutôt des joueurs qui font la différence sur certaines actions. Je me prends pas beaucoup de buts, c'est certain, mais ça, je crois que c'est quand même une particularité des derniers FIFA. En tout cas, en ce qui me concerne, je défends plutôt bien. Celui-là, c'est plus difficile de défendre, je trouve, mais néanmoins, je me prends pas trop de buts. Donc après, la question, est-ce que, oui, je propose sans doute un moment peut-être d'essayer de passer en légende, pas de souci. Je vais attendre un petit peu quand même d'autres matchs, et si c'est vraiment trop facile, il faut que ça reste quand même réaliste. Bah on ira faire un tour en légende, tout simplement, pour voir ce que ça donne. Donc là, nous jouons contre Nancy. Ça devrait être un match pas trop difficile, mais nous sommes à l'extérieur, encore une fois, attention. C'est tout, mais ça va être la star des stars du club. Allez, c'est parti, Belhanda qui a trouvé, je sais plus qui, Cosiello, à l'instant. Donc bien, on va jouer avec Cosiello, je pense. C'est pas mal ça. Belhanda, Cosiello. Ah, il a tenté un petit drill, Cosiello. Geste technique, peut-être un petit peu trop perso sur cette affaire-là, mais bon, c'est pas grave. De temps en temps, il faut bien tenter. Comme ça qu'on apprend aussi. Il est jeune, Cosiello. Il est jeune et il a déjà beaucoup de talent. Grand espoir du foot français. Je m'aperçois que j'aurais peut-être pas dû me mettre en blanc, mais plutôt en noir, parce que là, on peut confondre un petit peu. Par la SL. Qui construit bien, lui. En revanche, attention, le centre. J'aurais dû dégager la balle, hein. Parfois, je joue quand on passe court en défense, c'est quand même pas toujours la meilleure solution. D'Albert. Ah oui, D'Albert qui refait son apparition dans l'équipe. Alassane Plea. Série. D'Albert. Ouais, Alassane Plea peut-être. Un petit centre. Trop facile pour le gardien. Très bien ça. Attention, Doumbia qui perd trop de ballons. Et là aussi, c'est perdu. Franchement, elle est pareille. C'est dedans. Elle est dedans, c'est pareil, pardon. Excusez-moi. Compliqué cette affaire, compliqué là. Tenter, on trouve pas de solution là avec les milieux. C'est bien ça, D'Albert. Allez, le crochet. D'Albert est passé. Il trouve Seri. Ah, oui. Il a poussé le ballon, Plea. Il a pas pu le contrôler, tout simplement. Ça allait un petit peu vite. Duré. On n'a pas non plus une profondeur de banc magnifique. Wow. Ah, c'est pas possible pendant que je parle. Pendant que je parle, je suis pas vigilant. L'équipe n'est pas vigilante et ça fait but 1-0. On pouvait l'éviter, ça, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe.
Ouais, là, déjà. Bon, ce que je disais, c'est que de toute façon, voilà, on risque de le payer. C'est un peu le problème du... Oui, Belanda qui a eu ce ballon un petit peu par hasard, je dirais, et qui marque, et ça fait l'égalisation tant attendue. Regardez, c'est Tongo Dumbia qui trouve Seri, tacle en fait du défenseur nancéen et qui fait un tacle passe en fait, tout simplement. Passe décisive pour Belanda qui fait, qui trouve en fait le petit filet là sur le côté droit. Le gardien a du mal, la touche, mais ça ne suffit pas. Et ça fait un partout. Younes Belanda, troisième but de la saison. Il devient le meilleur buteur du club avec, avec Ballo, tout simplement. Ah, l'accélération, heureusement, on l'empêche un peu de faire une frappe correcte. Mais c'était encore très très limite. Un Dante, c'est vraiment une catastrophe. Je vais changer Pléa pour Bossetti. On avait dit on faisait jouer Benarama. Je vais mettre Benarama ici. Allez, un partout. Et ça fait un partout. Match nul. Bon, objectif rempli hein, sur ce type de match. C'est des matchs pièges. On l'a bien vu, hein, on a eu du mal. On a eu du mal, principalement en défense. On se prend un but qui est somme toute mérité. Ils ont bien joué le coup. Je vais juste aller voir combien on est avant, avant d'aller voir préparer le match de coupe. Et on est quand même premier, en effet. Oui, puisqu'on prend un point, mais on a toujours un match d'avance. Hein, donc on sera au pire deuxième. Hein. Donc Paris qui suit derrière Lyon, c'est assez logique. Lorient, plutôt une surprise. Bordeaux, c'est une surprise aussi. Je pense que le LOSC, c'est pas une surprise. Par contre, Monaco, 16ème, hein, Monaco. L'OM, 14ème. Alors voilà, on va se retrouver pour le match de coupe contre le Rapide de Vienne. Le Rapide de Vienne en Autriche. Bonne nouvelle, nous avons récupéré, enfin partiellement, on va dire, récupéré nos deux blessés, Pereira et Balotelli. Ceci dit, ils sont encore un petit peu fébriles, donc je pense qu'on va les garder au repos encore une fois. Si vous regardez là-bas, ils ont encore le pansement qui montre que faut pas trop les faire jouer tout de suite. Donc on n'a pas besoin, je pense, pour ce match de coupe, tant pis. Puisqu'après, nous jouerons contre Lorient, qui fait quand même un très bon début de saison. Donc ça va être un match difficile, et ensuite, une semaine après, deux semaines après quasiment, l'OL. Là, pour le coup, ça va être un match vraiment important, à domicile. Et nous jouerons Schalke en Euroleague aussi, ça va être un match compliqué. Après les matchs, c'est peut-être un peu plus simple. Il y aura un match de coupe de la Ligue aussi contre Dijon avant un match contre Metz en championnat. Voilà, donc on va jouer tranquillement ce petit match contre le Rap. Il y a un gros problème de conservation de la balle ici. J'ai encore la balle, attention là, attention Cosiello. On change de côté. C'est le loup dans la bergerie. Souquet. Ah, oh, Souquet. C'est pas forcément. Et... Cosiello. Vas-y petit. Vincent Cosiello. Vincent Cosiello qui marque son premier but, je pense, en Ligue 1, son premier but tout court dans le club. D'ailleurs, cette saison. Et c'est l'ouverture du score. Il fait du bien ce but parce que
J'avais du mal à le voir venir. Petite succession de passes. Il fallait jouer en petite passe. Bon, ça en fait tout simplement. Mais il fallait chercher ce but avec cette finition, ce petit plat du pied tranquille. Cosiello, premier but de la saison, en l'occurrence en Euro League. Allez, contre Vienne, c'est important ce match. Conforter notre première place. Cyprien. Oh le pénalty. Oh le pénalty. On est rentré tranquillement à la surface et vlan. Ça, ça peut être pas mal. C'est Pia qui va le tirer. Et on y va. Et là, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas tiré de penalty, ceci dit. Mais là, quand même. Oh, c'est faute professionnelle. Et c'est la fin de ce match. 1-0. On gagne par la plus petite marche. Essentiellement, je pense à tirer de ce type de match. Mais c'est le principal, c'est d'avoir les 3 points. Et c'est le premier but aussi de Cosiello. Donc c'est plutôt sympa pour lui. Les stats sont quand même. Voilà. Et bien écoutez, je vais arrêter là la vidéo. Je vous dis à très bientôt et à très vite pour le prochain épisode de cette carrière passionnante avec l'OGC Nice. Je pense qu'on peut aller vraiment loin cette année. Donc, à suivre, évidemment. Merci à vous, à bientôt. Ciao.